Bonjour, je m'appelle Antoine Laplace, je suis en troisième année de bachelor Image & Co, spécialité production à l'ISCPA, et je suis en alternance dans une société de production qui s'appelle Le Rat des Villes. J'ai choisi la filière production parce que j'ai toujours été attiré par le domaine de la musique et de l'audiovisuel aussi, et j'avais envie de mettre ma passion au cœur de mon travail, et donc pour moi c'est important d'intégrer une filière qui me permet d'accéder à ces métiers-là et au monde professionnel qui se cache derrière la musique, l'audiovisuel, le spectacle, etc., la culture en général. Je suis en alternance parce que c'est des métiers dans lesquels on apprend plus en étant au contact, en étant sur le terrain, on apprend en faisant, et donc c'est très important d'avoir déjà une première approche sur le terrain pendant qu'on apprend, et de commencer à rentrer dans le réseau professionnel. Et donc l'alternance, c'est le bon compromis pour apprendre en faisant, en ayant le droit encore à l'erreur, et en continuant à avoir des cours pour avoir un petit peu de théorie quand même, et puis pour commencer à réseauter bien sûr. Alors je suis allé à SCPA parce que j'ai été déjà attiré par le fait que les professeurs soient des professionnels, donc ça c'est intéressant, puisqu'ils sont parfaitement au fait de l'actualité sur le marché du travail, de la culture, de ce qui se passe dans le moment, quoi. Et puis ils ont toujours des bons conseils à apporter, parfois même des recommandations pour des stages, donc ça c'est intéressant. Et puis aussi pour la pédagogie immersive et très pratique qui nous permet de très vite travailler sur des projets concrets, ce qui nous rend un peu plus aptes à rentrer facilement sur le marché du travail, à trouver des stages, des alternances. Alors mes principales missions se concentrent sur la production de spectacles et le management d'artistes. Donc ça va du contrat de session, la rédaction de contrat de session, à la relation avec les salles et les promoteurs locaux. Il y a aussi la coordination d'agenda promo pour les artistes qu'on manage, l'analyse des ventes, la relation avec les labels. Je fais des synthèses de budget, j'écris des contrats, je me réunis avec mes collègues pour revoir une trame de tournée. On accueille des régisseurs généraux, des ingénieurs son, lumière pour préparer un spectacle. Voilà. Il faut être entreprenant, il faut ne pas avoir peur de l'échec, il faut vraiment se lancer. C'est important d'avoir plein de projets où on peut mettre ses qualités en avant. Il ne faut rien lâcher, il y a des échecs, il y en aura toujours. Mais l'important, c'est de se relever. Il faut absolument montrer qu'on a la niaque, être déterminé et faire preuve de culot aussi un peu.